je sens qu'on va se plaire ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est dégoûtant. C'est clair. Vite, sortons d'ici. Je vais vomir. Ce n'est pas bien mieux. Je ne sais pas trop, je pense qu'il y a du potentiel. Qui mettrait un truc pareil? Bon, tant pis, ça fera l'affaire. Je prends cette chambre, tu n'as qu'à prendre l'autre. Oh, ok. Ce n'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Sérieusement? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un tel taudis? Cet appartement aurait bien besoin de quelques changements. Youpi, c'est parti! Quoi? C'est quoi cette horreur? Ouille! La sécurité avant tout. Ok. Bon, je crois qu'on est prête. Allons-y. Par où commencer? Il y a tellement de choses à faire. Commençons par virer ce lit. Oh oh, ça va être amusant. En garde, prépare-toi pour un duel mortel. Prends ça! Ouf, ça détend! Yeah! J'ai réussi! Bon, passons à la suite. Waouh! Grace n'y va pas de main morte. Par où commencer? Bon, avant tout, il me faut un lit. Il est temps de se mettre au travail. Et si je faisais un plan? Je ne sais pas par où commencer. Ah! Je sais! C'est super! C'est comme si je faisais de l'exercice! Dessiner des plans est plus facile que je ne le pensais. Oh, yes! Je ne pensais pas que ce serait aussi dur! Je vais mettre ça là. Et celui-là ici. Ah, pas mal! J'aurais dû embaucher un menuisier. Il n'y a jamais trop de rangement, pas vrai? C'est... pas tout à fait ça. Oh, je n'ai pas avancé d'un pouce! Fini les plans! Il est temps de prendre les choses en main. Oula, j'ai la tête qui tourne. Je crois que je vais être malade. Oh, ça tourne! Oh! Waouh! J'ai réussi! Je suis assez fière de moi. Ouf! Et voilà! Des jolis draps. Tout neuf! Quelques paillettes, évidemment. Quelques meubles. Oh, j'adore ces chaussures. Pas mal. Salut, beau gosse. Je vais mettre mes livres ici. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Mes cours pour l'école. Génial, un espace de travail rien qu'à moi. Ah, je me sens presque comme à la maison. C'est tellement chou. Et j'ai tout fait toute seule en plus. Voyons si mon nouveau lit est confortable. Ah! Coucou, Emily. Ah, ça c'est facile. Eh oh, Emily. Eh, salut. C'est trop génial. Je veux que ma chambre reste bien propre. On dort tellement mieux dans une chambre bien rangée. Je pense que c'est bon. Oh non, j'ai oublié un coin. Oh, peut-être que ça s'efface. Hein? C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un sticker? Trop bizarre! Tu vois ce que je vois? Parfait, je vais décoller tout ça sur le champ. Viens par là, toi. Je crois que j'ai tout enlevé. Et hop, à la poubelle. Mince, je l'ai encore manqué. Il faut vraiment que je m'entraîne. Tant pis, une prochaine fois. Hein? Génial, une télé gratos. Où est-ce que je pourrais la mettre? Pourquoi pas juste ici? Ah, ça tombe bien, j'avais besoin de faire une pause. Bizarre, la télé ne marche pas? Allez, allume-toi! Je crois que ma maison est hantée. Il y a quelqu'un? Mince, je me suis trompée de télécommande. Ah, mais ça ne marche toujours pas! Elle est peut-être cassée? Grace? Oh, c'est trop loin! Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je l'ai! Oh! Aïe! Mes fesses! Tant pis pour la télé, j'ai l'impression d'être au théâtre. Eh, ce n'est pas drôle! Désolée.
Tiens, je crois que ça me donne une idée. Je pourrais peut-être... Et puis... Mais oui, c'est ça! Bien, c'est parti. Voyons voir ce qu'on peut en tirer. D'abord, je vais retirer le cache arrière de la télé. Très bien, ça c'est fait. Je vais le mettre un peu plus loin en attendant. Je vais retrier ceci. Quoi que ce soit. Hop, ça part. Wow, je ne pensais pas que c'était aussi lourd. Je n'aurais pas besoin d'aller à la gym aujourd'hui. Oh, je transpire déjà. Maintenant, je vais prendre cette boîte. Et la placer à l'arrière de la télé. Je vais la faire tenir avec un peu de colle. Où est passée ma télécommande? Ah, voilà. Eh bien voilà, celle-là au moins elle fonctionne. C'est génial. Maintenant, je vais prendre une guirlande de LED. Et je vais les coller à l'intérieur de la télé. Sans oublier les côtés. Ça devrait le faire. Il ne reste plus qu'à la remettre à sa place. Attention, ce n'est pas fini. Regardez! Waouh, ça rend super bien. Oh, trop génial! Tu as une télé, toi? Eh oui! J'adore! Par contre, c'est nul ce que tu regardes. Tu le fais exprès, rassure-moi. Les piles doivent être mortes. Il n'y a vraiment que ça? Je suis censée lui dire ou pas? Cet oreiller n'est absolument pas confortable. Ça devrait aller mieux. Ou pas? Fichu oreiller! Je veux dormir! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce fichu coussin? Ah! Ah, il faut que je fasse quelque chose! Ah, d'accord, j'ai compris. Émilie, je t'en supplie, aide-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Je n'arrive pas à dormir à cause de mon oreiller! T'as essayé de le tapoter un peu? Oui, mais ça ne sert à rien! Je ne sais pas quoi te dire, alors. Attends! Je crois savoir comment arranger ça. Nuage, coussin, coussin, nuage! J'ai la solution! C'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ton oreiller. Ok, comme tu veux. Ne t'en fais pas, on va juste opérer quelques petits changements. Bien, ça c'est fait. Plus que la touche finale et ce sera bon. Je colle un œil en feutre sur le coussin. Et pour finir, un joli sourire. Et voilà, je te présente ton nouveau coussin. Waouh! C'est carrément génial! Attrape! Il est tellement moelleux, j'ai hâte de l'essayer. Fais de beaux rêves! Merci, tu es la meilleure! Oh, elle dort comme un bébé! Un bébé qui ronfle! Ah, je sais! Je vais mettre une jupe aujourd'hui! Ça va être parfait! Bon, maintenant voyons laquelle me va le mieux. Où est mon miroir? Ah, le voilà! Ok, jupe numéro 1. Ah, on ne voit rien du tout là-dedans. Et celle-là? Oh, c'est complètement inutile. Ah oui, je sais. Grace, qu'est-ce que tu fais? Pas maintenant, je suis occupée. Qu'est-ce qu'il peut bien lui arriver encore? Bon, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai. J'ai trouvé ça dans la benne à ordures. Où est-ce que je vais la mettre? Pourquoi pas sur la table? Burk, il est un peu poussiéreux. Je vais arranger ça. Achoum! Passons aux choses sérieuses. Et voilà le travail. Je vais le personnaliser un peu. Je vais commencer par peindre les contours en rose. Je vais dessiner les vagues le long du bord. Et parfait! Mais il manque quelque chose. Oh, je crois que j'ai exactement ce qu'il faut. De la lumière! Avec ça, je fais un rétroéclairage. C'est parti! Il ne me manque plus que la tenue. C'est parfait! Exactement comme je l'avais imaginé. Je te déteste! Bataille des éléments! Prends ça dans ta tronche! Ah ouais, tu veux jouer à ça? Tu vas voir. Tu ne fais pas le poids face à ma magie glaciale.
Tu te prends pour la meilleure. On va voir ce que tu as dans le ventre. Je t'aurais prévenu, Mickey. Boule de feu. C'est tout ce que tu as. C'est amusant, je pourrais faire ça toute la journée. À mon tour de lancer une attaque. Il est temps de voir si ce manteau a vraiment des pouvoirs comme dans Matrix. Yeah, ça fonctionne. J'évite tous les glaçons, c'est génial. Comment est-ce que tu arrives à faire ça? C'est parce que je suis bien plus forte que toi. C'est ce qu'on va voir. Prends ça. Oh, aïe. Oh, ma tête. Waouh, Mickey, regarde sous le lit. C'est incroyable. Waouh, qu'est-ce que c'est? Viens, on va voir ça de plus près. Je n'y crois pas. Ce côté de la pièce est tout chaud. Viens voir, Mickey. Ah, je vais bien. Il fait frais ici. Oui, je crois que je suis mal tombée. Cette pièce est incroyable, mais elle aurait bien besoin d'un petit coup de serpillière. Je suis d'accord, c'est parti. Commençons par mettre un peu d'ordre. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de cartons ici? C'est une vraie porcherie. Oh, il y a plein de toiles d'araignée. Heureusement qu'il n'y a que les toiles. Oh, ça colle! C'est bon, je crois qu'on a tout enlevé. Ouf, on a réussi. Maintenant, c'est tout propre. Eh bien, ce n'était pas rien. Je suis à bout de souffle. Sérieux? Moi, je suis épuisée. Hein? Mickey s'est endormi? C'est le moment ou jamais. Je vais remonter discrètement dans la chambre en passant par l'échelle. Ouf, j'ai réussi. Il ne faut surtout pas faire de bruit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait me tenir chaud? Ah, rien du tout. Oh, ça, c'est pas mal. Je pense que ça fera l'affaire. Bien, je vais mettre ce tissu à plat et à l'aide d'un feutre et d'une règle, je vais tracer des lignes pour dessiner un quadrillage. Et voilà, un damier absolument parfait. Ensuite, je vais prendre un morceau de plastique et de la laine. J'enroule la laine autour du plastique, comme ceci. Il faut que la laine le recouvre entièrement. Ensuite, je vais mettre de la colle sur le bord du tissu. Je place la laine sur la colle et j'appuie légèrement. Enfin, je vais découper la laine avec des ciseaux et retirer le morceau de plastique. Maintenant, je n'ai plus qu'à répéter ce processus jusqu'à recouvrir tout le tissu. Et voilà, maintenant que tout le tissu est recouvert, je mets un peu d'ordre dans les fils avec mes doigts. Waouh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ce petit tapis est tout doux et tout mignon. Oh waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est super. Merci, je me suis dit que ça habillerait un peu la pièce. Ah. Oh, non, la maison des poupées après le dinosaure géant. Hein? C'est quoi tout ce raffut? Ah, Mandy, tu es réveillée. Regarde ce que j'ai trouvé. Des poufs à billes. Ce sera plus confortable pour s'asseoir. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, un tremblement de terre. Il faut qu'on sorte d'ici vite. Viens, on va passer par l'échelle. Ici aussi, il y a des secousses. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est un tremblement de terre, je te dis. Allez, viens, il faut qu'on sorte d'ici. Oh, qu'est-ce que... Hé, regarde, il y a une fête juste ici. Ouf, au moins, ce n'est pas un tremblement de terre. Mandy, j'ai une idée géniale. Je vais prendre ces ballons. Comment? Suis-moi, on retourne à la pièce secrète. Ouf, enfin de retour au calme. Ça fait du bien. Et en plus, j'ai même rapporté de jolis ballons. Bien, il est temps de se mettre au travail. Je vais prendre un grand sac en plastique et glisser les ballons à l'intérieur comme ceci. Le dernier. Et maintenant, je referme bien le sac en plastique. Ensuite, je retire le bouchon. Et j'aspire tout l'air contenu dans le sac. Et voilà, le sac ne contient plus d'air. Je remets le bouchon pour que l'air ne rentre pas à nouveau. Et voilà le travail. Maintenant, j'ai un joli pouf et un super repose-pied en ballon. Cette fête déchire! Le feu, c'est vraiment le meilleur des éléments! Ah, on est tellement bien ici au calme. Oh, salut Mandy! Cette fête était géniale. Je me suis bien amusée. Waouh, c'est quoi ça? Ah, je vois que tu as remarqué mes nouveaux meubles. Pas mal, hein? Ouais, moi aussi j'ai un ballon. En plus, je peux l'allumer, regarde ça. Super! Oh, hé, Mandy, ça commence à être un peu aveuglant, là. Mandy, tu peux arrêter? Qu'est-ce qu'il y a, Mickey? Je ne t'entends pas avec tous ces crépitements. Ah, oh, qu'est-ce que c'est chouette. Ces chips sont trop bonnes. Oh là, c'est quoi ça? Ce carton vient de se faire la malle ou je rêve? J'ai une toute nouvelle boîte pour notre pièce secrète. D'accord. Elle est géniale, tu ne trouves pas? Ne t'inquiète pas, Mickey. Je m'occupe de tout. Une bonne couche de peinture blanche, ça fait toute la différence. Après, je vais peindre ce petit morceau en orange. Voilà. Maintenant, je le découpe en morceaux et je les colle sur les côtés. J'ai décidé de laisser un peu d'espace entre chaque morceau. On dirait de vraies briques, pas vrai?
Je vais les poser en décalé, ça aura l'air encore plus vrai. Super, encore une petite ici, et voilà. Prochaine étape, des lumières. Tout est tellement plus rassurant avec de la lumière. Je vais prendre cette feuille marron et la repeindre en noir. Une fois que la peinture est sèche, je peux la froisser. Maintenant, je vais allumer cette jolie petite bougie. Parfait! Et voilà, ma nouvelle cheminée est terminée. C'est tellement agréable. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Le secret, c'est d'utiliser un pinceau. C'est nul. Ensuite, attends, tu te moques de moi? Regardez-moi cet endroit! Je n'ai jamais rien vu de tel! C'est affreux! Il faut que je fasse quelque chose! Attention, j'arrive! J'aime commencer la journée par un défi! Debout là-dedans! Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une célébrité! Allez, debout! Oh, qu'est-ce qu'elle est lourde! Bon, je laisse tomber! Au grand mot, les grands remèdes! Debout! Ah! C'est bon, je suis réveillée! Voilà, c'est mieux ainsi! Tiens, prends ça, tu en auras besoin! Oh, génial! Je sens qu'on va bien s'amuser! Mettons-nous au travail! Très bien, nous allons commencer par faire un peu de ménage! J'espère qu'il n'y a pas d'araignée! À quand remonte la dernière fois que tu as fait la poussière? Chic, une petite sieste! Parfait! Oh non, pas encore! Donne-moi cet oreiller! Hé, mais j'étais vachement bien là! Arrête de roupiller! Aïe! Prends ça! Ah bon? Arrête! J'essaye seulement de t'aider! Regarde un peu ce bazar! C'est encore pire qu'avant! Bon, j'ai peut-être une idée! Je vais coller cette guirlande de LED sur le mur! Et hop, par ici! Ça va être super! Il me faut un peu de scotch double face. Ça, c'était facile! Passons à la partie sympa! Je vais coller le rembourrage de l'oreiller sur le ruban adhésif. De cette façon, on ne verra plus la guirlande. Oh, c'est si doux! Oh! Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Merci! Et voilà! Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est un nuage de lumière! C'est tellement apaisant! C'est vraiment magnifique! Waouh! Tu es super douée! Oh, je déteste ce cours! Qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle a, l'intello? Faites que ça passe vite! Bien, j'espère que vous avez révisé pour l'examen. C'en est un très difficile. Oh, génial! J'adore les examens! Hein? Ce n'est pas une blague? C'est génial! Je suis toute excitée! C'est n'importe quoi! Heureusement, j'avais prévu le coup. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier? Voyons voir. La réponse est forcément là, quelque part. Hein? Je n'y comprends absolument rien. Je vais regarder sur Internet. Pourquoi est-ce que les maths sont si compliquées? Ah, j'ai une idée! Il me faut mes lunettes. J'aurais dû y songer avant. J'adore la technologie. Non, ce n'est pas ça. Ah ah! Voilà quelque chose de plus amusant. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dessous? C'est une pièce secrète? Si l'école était aussi chouette, je voudrais bien y aller tous les jours. L'école n'est pas un endroit pour jouer. Je vais le dire à la prof. Venez, il faut que vous voyez ça. Tu vois cette élève-là, Émilie, une vraie intello. Est-ce qu'elle parle de moi? Grrr, ça m'énerve. Tout va bien, respire. Oh yeah, j'aime cette ambiance de ménage. Je suis une vraie tornade du nettoyage. Phew, c'était une sacrée partie. Hein? Un troll! Au secours! Un troll? Bah... Oh non! J'ai complètement oublié l'examen! F? Oh, je déteste les maths!
Ce sera si bien de te voir. Attends. Hé, ça va? Prends ça. Pourquoi? Je me suis dit qu'on pourrait faire un pique-nique dans le parc. Ok. Mieux vaut emporter quelque chose à grignoter. Ceci fera l'affaire. Je prends les boissons. C'est tout, je pense qu'on est prêt. Allons-y. Ça va être sympa. Peut-être que c'est mieux de rester à la maison. Bonne idée. Tu as vérifié la météo? Attends. Ça n'a pas l'air très bien. Et les prévisions ne s'annoncent pas très bonnes. Il va faire froid. Glacial. Vraiment très très froid. Il me rappelle quelqu'un. Enfin bref, un pique-nique à la maison? J'ai cette bouteille d'eau. Et moi, j'ai les lumières. Au travail! Commence avec une grande bouteille d'eau. Retire le bouchon. Mets de la colle autour de l'extérieur de la bouteille, comme ceci. Prends du coton. Appuie sur la colle et assure-toi que ça tient. Ensuite, place des guirlandes lumineuses dans la bouteille. Oh, sympa! C'est génial! Tellement romantique! Au moins, on peut contrôler ce temps. Si chaud! Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Tu veux une boisson? Oh oui, c'est parfait! Merci! C'est bon! Oh mince, je suis si maladroite! Si seulement tu avais eu une table! Oh, ne t'inquiète pas, la semaine dernière, j'ai renversé mes nouilles. En parlant de nouilles, je connais un endroit super! On devrait y aller! Il manque quelque chose. Non. C'était qui, ça? Une table? Ce serait pas mal. Non. Tu pourrais m'aider? Ah ah, j'ai trouvé! Coucou, petit bonhomme! Tu me prêtes ton tricycle? En l'échange, je t'offre cette énorme barre chocolatée. Tiens, prends-la! Donc je peux l'avoir? Non? Tu es dur en affaires. Qu'est-ce que tu dirais d'un nouveau téléphone? Cool. Donne-moi le tricycle. Bon, d'accord, mais c'est ma dernière offre. Ok. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Vous permettez, je vais prendre ça. Donne ton tricycle à la gentille dame. Allez-y, il est tout à vous. Quelle gentille petite famille! Allez, en route! Je vais d'abord peindre le tricycle à la bombe. Ça lui donnera meilleure allure. Il faut bien tout recouvrir. Même chose pour les roues. Maintenant, je vais attendre que la peinture sèche. Ensuite, je vais placer une vitre en verre par-dessus. Et voilà, une jolie table originale! Je crois que je vais commander des nouilles. Et aussi des... Hé! Qu'est-ce que c'est? Waouh! Une table rien que pour moi! Génial! Attends! Voilà de quoi se rassasier un peu. J'ai amené du pop-corn. Comment j'ai pu faire sans une table? Sinon, à propos du restaurant de nouilles, tu vas adorer. Ah, d'accord! Je comprends maintenant. En fait, c'est très simple. Hein? Est-ce que c'est une pomme? Trop bizarre. D'où est-ce qu'elle vient? Hé, regarde ça! Du chewing-gum? Psst! Par ici! Tu crois qu'on devrait y aller? Viens, allons voir! Je ne suis pas sûre. Il faut que tu vois ça! Plutôt chouette, n'est-ce pas? Waouh! Regarde toute cette nourriture! C'est un vrai festin! Par quoi on commence? Tout a l'air si bon! Des sushis! À table! Miam, ces sushis sont excellents! Et bien frais! Goûte le hamburger! Trop bon! Il y en a encore? Waouh! Merci, petite main mystérieuse! Ce serait impoli de ne pas y goûter. Oh non! Il faut qu'on y aille! Ce n'est pas juste! Waouh! Oh! Aïe! Et est-ce que tu entends ça? C'est un professeur! Vite, cachons-nous! Il faut que je me camoufle, que je disparaisse! J'espère que ça va marcher!
Bien, personne aux alentours. Qu'est-ce que c'est? Probablement rien. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Donc tu vois, finalement, je ne décore pas vraiment. C'est la magie de la télé. Tu ne trouves pas qu'il y a une odeur bizarre? Tes pieds sentent mauvais, ça c'est sûr, mais je crois que ça vient surtout du tapis. Ouais, je voulais passer un coup d'aspirateur, mais je n'en ai pas. Ouah, faut vraiment faire quelque chose. Bon, d'accord. D'abord, on va déblayer toutes ces cochonneries. Il pleut du pop-corn. Oh, je croyais avoir perdu mes lunettes. J'y vois beaucoup mieux. Ouf, ça en fait des déchets. Génial, pas besoin de faire la lessive. Dis donc, j'essayais de manger tranquille, là. Ah! J'ai peur. Ouille! Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oust du balai! Je suis contente qu'elle soit partie. Bon, réfléchissons. Ça y est, je sais! Mais à qui est-ce qu'elle parle? Je vais coller des bandes de scotch sur le tapis pour séparer différentes sections et créer différentes formes. Le scotch va me servir de guide. Je vais donner à ce tapis un peu de couleur avec de la peinture en bombe. Je peux remplir chaque forme d'une couleur différente. Ce tapis va devenir une véritable œuvre d'art. Ensuite, je n'ai plus qu'à retirer le scotch. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'arrive pas à croire que ce soit le même tapis. Il est magnifique. Viens par là, toi. Quel changement! Waouh, on dirait qu'on a carrément changé de pièce. Il ne manque plus que quelques petites touches finales. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ouvre-le! En réalité, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Jetons-y un coup d'œil. Vous pourrez utiliser tout ça. Ça donnera vraiment l'impression d'être à la maison. Ça va être superbe. J'avais complètement oublié que j'avais tout ça ici. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ça rend bien, tu ne trouves pas? Oui, on a fait du beau travail. Enfin! J'imagine que je ne cadre pas vraiment avec les tons de la pièce. Mais t'en fais pas pour ça. Je ne transforme pas que les intérieurs. Oh, ça, on n'en a plus besoin. Waouh, merci. Tout est vraiment magnifique. Je suis contente que ça te plaise. Hé, mais c'est quoi cette pièce-là? Ah, on dirait bien que le devoir m'appelle encore. Pas besoin d'un budget énorme pour décorer ta chambre. Il suffit d'un peu d'imagination et de créativité. À quoi ressemblerait la chambre parfaite selon toi? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour découvrir plein d'autres vidéos aussi amusantes que celle-ci.